Je dis hier, nous venons porter trois quêtes là. Nous venons dire nous chaladez. Nous décidons pour offrir aux Haïtiens une autre alternative. Crabe la bagra, tout le monde connaît. Moyen limité. Mais nous ne pouvons pas quitter le peuple dans le grand groupe, nous ne pouvons pas quitter le peuple sans travail. Président dit, le bon mandat pour négocier, pour parler avec toute opposition, pour parler avec tout le peuple haïtien, même le mandat tout, surtout pour mettre le peuple dans le travail, pour ne pas manger. Okay. C'est ça, président, on est avec moi dans la tête ensemble, dans le travail. Il y a plus de problèmes. Quand pile monde qui a critiqué, quand pile monde qui a pas nous fouet dans le seul bagage nous connaît, nous déterminer pour nous retirer le peuple dans sa lière. Et détermination, lui explique aujourd'hui à ma présence, nous, ça, son petit groupe monde qui commence. Mais objectif nous, c'est mettre au moins, avant l'année a fini, 50 000 jeunes dans le travail, 50 000 monde pour nous capables de nettoyer le pays, pour nous capables de permettre de manger, j'en suis capable. Ça, c'est un lancement qu'on fait la matin. Mais nous pouvons marcher dans tout quartier, nous pouvons marcher dans toute commune, nous pouvons marcher dans tout pays pour nous offrir du travail à peuple haïtien. Génial. Nous avons pris le programme Papège, programme emploi jeune, programme à des plates. Nous mettons tout le monde avec moyen nous gagner, nous allons dégager pour mettre le monde au travail parce que nous ne sommes pas capables de tolérer encore. Que le peuple a coupé nos gros goûts, que les petits mouns n'ont pas à l'école, que les parents n'ont pas à prendre les petits mouns. C'est pour ça. Je dis à nous commencer avec nous. Je dis à nous commencer à tirer équipe ça. Je dis à nous commencer à groupe ça. Mais nous marchons contre tout le monde avec moyen l'État. Pour ça, fait, nous décidons que dans l'État, il n'y a pas de gaspillage encore. Nous décidons, nous ne pouvons pas voler comme pays encore. Nous décidons, pas de mettre au caillou encore. Vous décidez pour peuple de travail avec l'argent pays. Vous qui vous payez taxes, à payer taxes. Contrebande, c'est là, c'est là. Nous ne pouvons pas quitter contrebande faite dans la douane encore parce que si classe qui gagne, il va même assez. Vous avez quitté mon bras avec lui. Eh bien, nous venons dire le là. Nous décidons, nous déterminons, nous avons besoin que le peuple campe avec nous, que le peuple campe derrière nous. Pour nous aller parler avec tout le monde qui ne peut pas payer taxes. Pour nous aller parler avec le monde qui a fait contrebande. Pour nous aller parler avec le monde dans l'État qui comprend qu'il continue à faire comme l'État. Nous avons dit, nous avons commencé le 26, jeudi à 26, nous commençons, nous avons continué et dans tout le pays, tout le monde va travailler. Merci à vous. Alors, c'est que vous suivez la sont belles. Programme gouvernement fait là pour toute zone parce qu'on est bien ça qui a fait là vraiment utile quelque chose à mon cap vivre société là parce que mettre ça sur votre quartier qui a vraiment bon pour quelque chose à mon qui a fait là parce qu'on belle travail lié et bien mon la même si son semaine deux semaines au barreau quelque chose à façon si on 15 ans tout gentiment là bien pour bon bureau mais qui sont nous bon moi-même je suis sorti pour aller au Ghana. Nous allons mobiliser là pour nous nettoyer la caille. Oui, chaque jour nous mobiliser là pour nous nettoyer la zone de la caille. Nous avons vraiment beaucoup pour nous, parce qu'il y a un bel travail pour nous. Pour nous soutenir. Ministère intérieur et collectivité territoriale, je demande aux citoyens dans tout le coin du pays, si tout le monde qui vit dans Port-au-Prince, ville au caille, avec les cap haïtiens, qui étaient bloqués à cause de situation de tension avec la troublée. Semaine qui s'est passée. Nous avons demandé pour recommencer l'activité normalement, j'en sais qu'on fait là. Nous avons demandé tout leader conséquent, dans la communauté, notable, tout le monde qui a eu l'idée pour aider la population à comprendre plus bien la situation du pays, pour y avoir été tête frette et puis travailler ensemble avec la population pour qu'il y ait la paix dans la communauté. C'est comme ça. Nous avons établi bon Jean Chita, dans le respect l'un pour l'autre,
qui doit permettre de jouer une solution aux problèmes dans la tête collée entre Haïtiens. Dans ce sens, le ministère intérieur et la collectivité territoriale ont une grosse tête chargée devant valeur violence avec des ordres de toute qualité qui ont gagné dans le mouvement manifestation dans le jour qui s'est passé. Il y a une situation côté de gain plusieurs laissé frapper avec la police. Mais en plus zak crasé brisé sous bien l'état avec privé moun. Ministère a constaté et puis regrette compter yon valet moun qui victime directement ou soit à cause conséquence mouvement panique yo te gen dans toute l'aria. Côté mouvement ça yo te commencé sembler tête coupée avec bataille la guérilla cap gaillé pour faire tout le monde en dedans pays paix. Pendant les responsabilités pour kembe stabilité et puis gérer sécurité avec l'autre institution l'état en dedans pays a ministère intérieur et collectivité territoriale yo fait qu'on est pas tolérer mode d'action ça yo qui représente gros menace pour sécurité nation. Nous reconnaissons tout citoyen à groupe organisé dans la société a bien droit faire mouvement protestation sans violence. Pour ça tout n'a bayon pinga bay moun k'ap organiser mouvement chire pizza yo qui pas respecter la loi et puis k'ap servi avec violence mettez sous menace ak la Perez nan passer en papier droit ak liberté tout l'autre moun ak groupe moun qui pas marcher dans mouvement yo. Dans ce sens-là, quel que soit citoyen, m'a bien dit, quel que soit citoyen, il y a des gens qui sont coupables dans le fait mode action, sa yo, brigandage, sa yo, ak menace, sa yo, il y a bien pour répondre pour zak yo devant la justice. Pour finir, force l'ordre, yo, y a une responsabilité tout pour couper tout mouvement ou soit manifestation qui t'a doué pacifique. Mais qui t'a chaviré un mouvement pour la guerre instabilité politique dans le pays. Premier ministre là, pays là, Excellence M. Jean Rizéan, déjà passé l'ordre pour toute branche dans l'État qui concerne les affaires de sécurité, prend responsabilité dans ce sens. Comme ça, ministère intérieur et collectivité territoriale déjà prend et a continué à prendre toutes dispositions qui sont nécessaires pour accompagner la population dans toute activité li chaque jour. Là, nous voulons parler de commerce, l'école, tout service l'État, yo, après prendre l'activité yo, normalement, parce que la police est là pour assurer sécurité, justement, tout le monde. Droit pour manifester, chita dans la Constitution, mais li pa ka pi fort, parce que maman doit payer. Ministère intérieur à collectivité territoriale a demandé tout le monde rester tête frette et puis a travaillé pour la paix blaï dans tout raccoin pays a sous question mal passe là nous connaît te gain en situation privée sous douane mal passe là hier matin côté que un agent douanier a fait inspection, il était campé et on sait de monde qui sont fait achat sur frontière là. Malheureusement, et altercation ça est venu soldé par perte en vie humaine qui devait permettre que peut-être bien un paquet échauffouré qui est venu paraître après ça. Côté gain trois agents douaniers jusqu'à présent que juge de paix fait comme ça. L'État semble que c'est quatre, mais il y a beaucoup de jeunes et l'autre quoi là. Et puis il y a deux civils qui ont perdu la vie. Et on a profité également pour les sympathies de gens qui sont victimes, surtout et agents et douaniers. Et également à les civils qui sont victimes qui sont dans la zone pour incident malheureux qui est arrivé. Et pour le moment actuel, il faut dire que la grande délégation qui est montée sur frontière à Kounéan, qui gagne côté qui gagne et un représentant
cadre et la douane qui montait, accompagné de la police et également et des agents immigration qui montaient par rapport avec l'incident ça et également pour permettre que l'activité reprenne. Parce que il y a deux camions de marchandises matin qui a passé la douane et côté que la police est obligée de bloquer sinon parce que pas bien agent douanier qui était là. Donc pour le moment, il y a un agent douanier qui est arrivé sur place et également agent immigration pour permettre que l'activité reprenne et sous frontière. Et n'a pas assuré tout également que et au niveau sécurité pour les gens qui ont fait zone zéro, qui ont pris aller Saint-Domingue ou qui ont sorti de Saint-Domingue pour sécurité assurée. Et dans ce sens, il y a des CPA qui vont être troupés en roi, des troupes qui spécialisées justement pour assurer sécurité dans la zone ça, pour permettre que la circulation non seulement faite normalement dans la zone là également, pour permettre que les gens qui font commerciaux et marchandises que vous passez normalement selon la loi de la douane. Population haïtienne, non, en fait, nous avons un pays côté que Gangoua li terrible. C'est une raison qui fait que Fayes, qui c'est Fonds Assistance Économique et Sociale, mission Fayes, une mission Fayes, c'est fait assistance sociale. Là nous parler de assistance sociale, nous voyons vraiment moun qui dans situation qui pi vulnérable. Moun qui dans situation qui pas capable bouillir chaudière, faire chaudière à bouillir. C'est dans contexte ça. Assistance sociale, FAYES, de concert avec le ministère des Affaires sociales, parce que c'est FAYES qui a piloté projet sociaux pour le compte du ministère des Affaires sociales. Donc, devoir nous, c'est aller toucher poche de pauvreté qui pime à Lyon. Pour nous faire ça, nous avons plusieurs volets, nous avons plusieurs programmes que nous mettons dans FAYES qui permettent, et de fait, nous connaissons déjà. Nous connaissons un programme. Ça nous relève courir peuple là qui gagne volet qui gagne bourrade manger que me devine là me d'expliquer nous déjà. Donc à travers bourrade manger nous gagne deux fois pour accompagner population pour nous bailler population manger dans toute zone qui défavorisée. Donc voilà pourquoi semaine ça nous t'a senti que Faes était présent sur toute particulièrement nous touché 52 quartiers de jeudi à dimanche soir. Nous touchons 52 quartiers parce que après une semaine de turbulence, nous connaissons pile monde dans le pays qui n'a pas de cassotti, qui n'a pas de capable d'aller chercher pour activité économique. Donc c'est dans le contexte que FAES était là. FAES accompagne la population dans 52 quartiers. Nous arrivons à toucher 52 quartiers dans la zone métropolitaine. Non. Donc nous continuons toujours. Donc c'est dans le contexte que l'intervention nous allons faire aujourd'hui, nous avons gagné deux volets. Nous avons le premier volet qui va parler nous deux. Ça nous capable les projets sociaux. Et nous avons l'autre volet dans FAES tout, que nous dit FAES c'est Fonds Assistance Économique et Sociale. Donc, il y a un volet social là, mais il y a un volet économique là tout. C'est peut-être ça. Nous venons avec deux directeurs qui pourraient parler d'une part, projet sociaux, et d'autre part, de volet économique institution. Sans trop arrêter, je vais commencer avec volet économique là, après nous avons un volet social là tout à l'heure. C'est peut-être ça que je vais inviter directeur. Lui, Emmanuel Verret, c'est lui qui parle parler nous de programme que relais caisse rurale d'épargne et de prêt. C'est ça nous relais crêpes là. Ça c'est le volet économique, son parti le volet économique social. Travail ça justement, c'est dans le but pour faire mounio qui a besoin d'appui FAES et assistance tout pour qu'a générer faire des activités qui a généré de revenus pour qu'a organiser activité économique pour qu'après tête en charge. C'est ainsi que FAES intervenu en pile dans le milieu rural pour y faire une série de projets économiques. Directeur général a parlé de caisse rurale de Paris de près. Ça, c'est un volet qui concernait la microfinance rurale. Et FAES tout intervenu sous de l'autre projet économique, tout, que ce soit dans le domaine appui à la production végétale, appui à l'élevage, appui à protection de l'environnement et conservation des ressources naturelles. Déjà, j'ai parlé d'action FAES, justement, je viens de parler avec nous. Qui ça FAES fait dans la question microfinance rurale? Depuis environ 2004, FAES initié une activité avec des financements étrangers et haïtiens pour y mettre en place de petites banques villageoises.
et structure qui utilisait à son structure coopérative. Moun yo commencé par mettre yo ensemble pour faire des groupes de caution solidaire côté yo mettre comme yo ensemble et puis yo prêter yo l'argent et puis yo rembourser. Là nous fait plusieurs cycles de crédit comme ça côté moun yo prêter comme et rembourser yo même organiser yo pour yo mettre constituer ce qu'on appelle des caisses rurales d'épargne et de prêt. C'est mon crêpe là que le directeur général a dit. C'est des caisses populaires de petites coopératives villageoises. Et pendant 10 dernières années, de 2008 à 2018, nous travaillons avec Mounio dans le domaine et on arrive à constituer à peu près dans la zone département du centre, département du nord-est et département du nord-ouest, environ 25 caisses populaires villageoises. Et gros initiative ça, originalité, c'est que c'est Mounio qui a géré affaire. C'est des entreprises autogérées, c'est eux-mêmes qui gèrent affaire, c'est eux-mêmes qui bail crédit et c'est eux-mêmes tout qui rembourse tout. Et après 10 années de pratique, nous avons dit que Faes Kounia a gagné à peu près 25 caisses rurales d'épargne et de prêt qui dans le département du centre, côté a gagné à peu près 15. Dans le département du nord-est, côté de Gagné 9, et dans le département du nord-ouest, nous avons une qui fait à peu près 25 caisses. Et Mounsayo, qui fait plusieurs caisses, il y a à peu près 12 900. Et il est arrivé à mettre, en termes d'épargne, il y a près d'une trentaine de millions de gouttes dans l'épargne, et volume prêt qui baille, que vous baille, membre, à peu près aux alentours de 60 millions. De good, c'est le niveau ça nous y est. N'a fait assistance sociale certes, mais n'a pas appui pour moun yo ka mener activité économique yo tout, que ce soit pour yo faire commerce, pour yo acheter semences, ce type d'activité ça que Faes fait pendant que nous a bail de l'autre activité d'appui dans production agricole et élevage. C'est ça m'ta ravle dit nous justement comme travail Faes qui depuis 28 ans que n'existait que nous a fait. Nous relancer. Alors, gagner des innovations quand même, dans les gens nous mettez en œuvre projet. Par exemple, pour Panier Solidarité, nous travaillons en pile dorénavant avec les autorités locales, qui sont les premiers élus concernés dans le cadre de la proximité que vous gagnez avec la population. Donc, on a parlé de délégués de ville, on a parlé de Kazek, on a parlé de Azek. Donc, pendant qu'on a parlé là, actuellement là, il y a des interventions qui continue à faire avec participation élu local et avec donc et également les fédérations d'AZEC, KAZEC et des maires. Donc c'est avec autorité locale ça que nous travaillons et nous continuons de travailler dans le cadre d'intervention qu'on a fait dans le quartier et populaire ça dans l'aire métropolitaine. Et puis nous continuons tout pour nous dire que nous relancer le restaurant communautaire. Côté que nous aller vers chaque prestataire et chaque prestataire nous identifier avec lui, avec une équipe qui constituait du FAES et du ministère des Affaires Sociales, espace que moun yo nan communauté a yo affecté à restaurant communautaire là. Et c'est sous base ça, nous géolocaliser espace là, nous analyser lui et puis nous rencontrer avec prestataire là et nous alimenter en produits alimentaires pour restaurants commencer à fonctionner. Donc c'est ça qui fait que c'est graduellement NAP relancer restaurants communautaires dans l'aire métropolitaine. Non? Et à date, nous avons 54 restaurants communautaires qui déjà approvisionnés. Jeudi à là, nous avons l'autre cohorte d'environ une quarantaine que nous avons rencontré pour nous capables d'alimenter, pour mettre sous 54 là déjà. Et nous gagnons 52 restaurants tout que nous avons lancé dans le département du Nord. C'est même genre, nous avons rencontré avec prestataires et nous avons fourni des produits alimentaires qui permettent de capable fonctionner pendant 20 jours, donc un mois, soit 5 jours par semaine, pour produire des plats chauds au prix de 10 goudes. Et le nombre de plats chauds a varié, il y a aussi entre 400 à 500 plats chauds par jour. Donc tout programme ça, c'est des programmes qui là pour permettre que la population qui est en pauvreté, et qui est en pauvreté extrême, n'a pas de population qui vivent avec $2 par jour ou moins,
pour pauvreté et moins que 1 dollar par jour pour pauvreté extrême yo, bien entendu parallèlement à l'autre type d'intervention que l'État a fait dans l'autre secteur yo, et même tout à l'intérieur du FAES dont initiative qu'a fait dans direction initiative économique mais nous même bon côté pas nous dans programme social dans programme d'assistance sociale yo, nous même nous gain des interventions nous fait pour que en attendant que moun yo capable joindre bénéfices et capable de fruits de programmes structurants, mais nous pas quitter yo nous pas livrer nous pas quitter yo sans support que assistance sociale là capable bailler. Donc en gros ces détails ça nous capable bailler sous dernière activité que nous avons entreprendre. Et puis l'autre information que bailler tout c'est que dans cadre projet Timoman Chérien nous aux alentours de 60 000 mères qui déjà touchés sur 120 que nous ciblons. Et donc, travail ça à continuer exact et également. Ouais, ben nous coup jusqu'à ce que vous tuez nous. Semaine dernière, pas que plus longtemps, il y a peut-être 15 jours, un employé de banque, dans ce jeu banque, Maril Batley, jusqu'à ce que le tuyel. Et monsieur, ce n'est pas le premier coup de bâton. Il prend un coup, monsieur a vu passer maintenant tête li, monsieur a vu expliquer ceci, cela, vraie fleur, poté parfum, mais le tuyel quand même. Grand-père, si on répète ça, le content de longtemps, on ne touche pas une femme, même avec une fleur. Sans façon pour nous dire non, que femme on respecte nous. Pas les fonds dans le cas, ça peut exister. Nous mettons un petit bébé dans le cas là. Dès qu'on n'a pas les fonds, nous affecter, nous troubler, nous faire son petit monde qui est plus devant, a pas de problème à l'école, ou pas de problème dans la rue. C'est la caille nous. C'est dans la tête pas nous pour nous prendre conscience que nous sommes des mondes importants. L'homme est important, ou pas permettre de rien, ou pas permettre de dire n'importe qui ça. Il faut que nous soyons capables d'écouter, il faut capable de parler. Il faut qu'on soit capable de dire, quel que soit l'argent, quel que soit deal de offrir nous, intégrité, m'a protégé lui, parce que je dis à c'est moins, demain c'est pour le petit moins, après ça c'est pour le petit moins. Pas permettre personne moyen nous, pas permettre demander nous faveur pour de bon travail. Il faut avoir courage, je dis pour me quitter le travail là. Je ne vais pas prendre ça dans la main. Il faut avoir dignité, il faut avoir intégrité pour que la génération future ait l'autre approche de vie par eux. Beaucoup d'entre nous portent aujourd'hui la couleur orange. Alors, c'est parce que le 25 de chaque mois et le 25 de ce mois a été désigné journée orange pour l'oranger le monde, comme on a dit par la campagne de l'ONU Femmes, pour mobiliser la société civile, pour mobiliser les femmes, les activistes et le gouvernement afin d'amplifier l'impact de la campagne de la lutte contre la violence sexiste, la lutte contre la violence basée sur le genre, la lutte contre le harcèlement. Les participants du monde entier sont encouragés à porter le couleur orange en solidarité avec ce cause. Alors, cette couleur symbolise un avenir meilleur et un monde exempt de violence à l'égard des femmes et des filles. Alors, comme les autres participants ont décrit, le thème de l'année 2018 est Orange the World, Oranger the World. Hear me too. Écoutez-moi aussi. Et cette date marque le lancement de 16 jours d'activisme qui se termineront le 10 décembre de cette année, la Journée internationale des droits de la personne. Alors, je félicite Sonapi et Share Hope et vous tous ici présents d'avoir prioriser le projet Her Health cette année. Nous, de la sensibilisation contre la violence domestique. Alors, c'était le mois dernier. Et nous avons proclamé que les États-Unis fondés sur les principes de la liberté et de la justice.
nous avons souligné que on ne tolère pas la violence domestique. Alors, la violence sexiste, la violence basée sur le genre, c'est un défi mondial, tant dans les espaces publics que privés, tels que les foyers, les écoles et les lieux de travail. Alors, pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et des filles, nous devons tous prendre des mesures, nous tous, gouvernement, secteur privé, société civile. Les États-Unis sont déterminés à promouvoir l'égalité des genres et le statut des femmes et des filles dans le monde entier. L'égalité des genres est une priorité essentielle de la politique étrangère des États-Unis dans le cadre de son développement social, politique et économique. Alors, cette violence a non seulement des conséquences sur la santé des femmes, les empêchant de travailler, mais la violence peut également entraîner des traumatismes émotionnels ou physiques qui rendent des femmes moins motivées à se rendre au travail. Alors, l'impact économique de la perte de la productivité résultant de la violence sexiste sur un pays peut même atteindre des chiffres comme 3,7% du produit intérieur brut du pays. Donc, promouvoir un environnement sécuritaire pour les femmes, tant dans leur foyer qu'au travail, est un impératif pour nous tous. C'est un impératif des droits humains qui pourrait contribuer à réduire l'écart entre les genres sur les marchés du travail. Nous avons tous un rôle important à jouer pour que nos foyers, nos communautés et nos lieux de travail soient des espaces sécuritaires. Nous pouvons offrir à nos sœurs, nos filles, nos mères, nos tantes, un espace de dialogue confidentiel pour qu'elles puissent trouver le meilleur moyen de remédier à cette situation. L'activité d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes et des filles et le début de la campagne de sensibilisation des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Donc le CPFO, depuis ses 33 années d'existence, a toujours célébré et commémoré au fait ce jour. Mais cette année, il s'est associé à d'autres organisations telles la Concertation Nationale, Share Hope, Better Work, le ministère à la condition féminine, le ministère des Affaires sociales, l'OFATMA, l'ONU Femmes, donc pour célébrer ensemble précisément ces 16 jours. Donc voilà en gros. Et c'est pour quand même, nous l'avons fait au parc industriel où nous travaillons, et c'est pour sensibiliser la population ouvrière, surtout la population féminine ouvrière, afin qu'elle dénonce les cas de harcèlement et les cas de violence, les cas de violence exercés sur elle. Donc c'est une campagne de sensibilisation, donc pour porter vraiment les femmes à dénoncer les cas de violence. Ça veut dire geste ça. Geste ça veut dire me retourner là quand même content. Alors, et comment la situation est-elle pour vous-même et Chili? Bon, très bien. Très bien. Ça va l'expérience. Donc, nous retournons dans le pays avec l'autre maille. Bon, nous allons avancer. Alors, quand même, expérience, il n'est pas mauvaise. Pas vraiment. Sauf que, il y a un haut, il y a un bas. Bon, c'est la vie, mais nous résidons. Nous. Vous qui avez fait choix ou même pour ne pas arrêter Chili? Bon, tu sais que moi, trouvé. Comme je dis ça, c'est d'ailleurs pour me donner une importance là quand même, mais je retourne là quand même.
c'est une fierté d'être la caille. Parce que Mabdo nous fait un pile de stratégies. Il y a un pile dans nous là qui fait un pile de transactions, prêter l'argent en banque pour nous bâtir. Pour qu'ils s'en bâtissent. Je m'apprends qu'on est un pile, nous attendons sur Facebook un pile qui vit aux États-Unis, nous avons dit c'est parce que nous voulons travailler. Non, c'est pas ça. Parce que si nous avons bien regardé, nous avons regardé la République dominicaine, il y a petit haïtien qui est là. Ça fait ça parce qu'il y a des bagages plus ou moins. Mais si nous voyageons dans le Chili, qui est haïtien qui a voyagé, qui a aimé pour le déporter tête pendant ce temps, imaginez-vous, mon résidence, je suis chauffeur camion, ma moto. Je vais au Chili, je fais tout ça, je connais bien parce que 1 million de personnes pour me faire licence. Chili, je porte du camion, malgré ça, je n'ai aucun respect pour nous, étant que haïtien. Je porte du camion, je descends sous le camion pour faire n'importe quel travail. Bon, on pique quoi pour aller piquer pendant ce temps, je suis en contrat avant, je suis chauffeur camion. Ça veut dire que je n'ai aucun respect pour nous. Et plus encore, notre travail, c'est comme si vous touchez un goutte ou dépensez un dollar. Vous comprenez? Comme si je touchais 20 000 personnes là, tout ça m'acheter, c'est en 1000. Pas de rien qui va dans 100 personnes, en 200 personnes en Chili. Ça veut dire que c'est vraiment difficile. Imaginez, moi fait un an, 6 mois en Chili, pas réaliser rien. Je me retourne dans le pays, c'est ça qui est plus important. Je me dégage un objectif, je me sortir, je me dépenser, ça te calme mieux. Et ça me dépense assez par ça, je choisis de retourner dans le pays. Alors, où est l'autre plan, bataille, pour sortir dans la vie quand même? Bon, le plan est très simple, parce que je fais 23 ans dans le pays, et je me vivre normal, je termine l'étude, je fais université. Parce que dans moins que un an, je vis dans l'autre pays, je me sens pas à l'aise. Parce que le plan, c'est toujours le même plan. Je me dégage un rêve dans le pays, mais puis je me tourne. Parce que n'importe quel saïe, je me réalise le projet. Bon, et je ne vais pas dire que Chili était mal, parce que son pays qui est organisé, il y a l'État, il est solide, sauf que je ne vais pas mes systèmes. Le système n'est pas bon pour nous, même haïtiens, parce que nous, noirs, nous ne parlons pas langue, et surtout, nous avons un visa touriste dans nous. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas encore mieux si haïtien qui parle Chili, tu as essayé de chercher à comprendre le problème qui cause haïtien à quitter Chili, rentrer dans le pays. Ok, au lieu que pour rester là, parler Chili mal, je ne vais pas aimer. Parce que nous-mêmes, nous avons frères, nous avons sœurs qui étaient derrière. Sauf que chaque monde n'a pas le même rêve. Il n'est pas bon pour moi de choisir d'entrer là quand même. Ok? J'ai 2 ans et demi là, je fais même une année de travail avec 300 000 personnes. Ça n'est pas grand pour moi, j'ai 5 personnes qui vont à l'école là. Ou même, qui sont dit tout, est-ce que vous estimez que le pays n'a pas payé nous bien, la main d'œuvre nous, ou bien ce travail qui n'a pas gagné tout ça? Pas de travail, pas de travail. Je manque de travail pour Haïtien parce que Haïtien est abdominal là. Si je devais travailler pour abdominal là, oui. Mais il y a des gens qui t'a aimé connaître comment condition yo teye pour nous tout avant que nous montions avion. Et il y a des gens qui disent que le traitement n'est pas trop bon, mais ou même qui t'es là, qui sont capables de dire? Non, si vous êtes bon, c'est rete nous t'apprêter, nous pas l'avion tourner la caille, parce que c'est bon, pas bon que nous tourner la caille. Ouais, parce que nous on pas capable pour plaisir. Avion pas facile non, et on pas pour monter pour plaisir parce que à n'importe qui le café. N'importe mal qui arrive. Tout avant que côté jeune avion, qui côté nous t'es? Est-ce que nous t'es fait scalon côté, bon côté que t'es reçu à nous tout ça? Bon, je t'ai mis des non l'église. Vous connaissez Mounio en pile. Je vais rapporter tout Mounio, mais tout mettez nous en pile dans l'église pour nous faire un lait. Après, notre fois là, retourner nos vignes. Ou même, c'est pas une expérience que vous comptez revivre dans la vie encore? Non, jamais, grâce à Dieu. Pays n'a pas bon, puis de mettre dans le pays, mon cher. T'es accueilli 181 compatriotes qui ont choisi le départ volontaire pour te quitter Chili pour venir Haïti. Et nous avons avec nous un responsable du ministère des Affaires étrangères. Moi, j'ai un administrateur ONM qui est avec moi. Et encore, nous saluons le présent sénateur Dumont qui est avec nous là, justement, pour assurer un meilleur accueil. Mais nous comprenons que c'est un départ volontaire qui est lié. Il n'est pas rentré dans un cadre régulier de déportation. Cela fait que nous n'avons pas gagné bon gens accompagnement, nous sommes capables de porter avec nous. Sinon, c'était venir assister là, souhaiter bon retour la caillou dans terre natale. Et que maintenant, nous allons checker dans l'arrivée là, nous accompagner
jusque dans arrivée et nous wègon monsieur là qui pas porté le bien c'est yo deux c'est chaise roulante pour yo té capable gagner. Maintenant nous prend note de ça et que au niveau de l'ONM nous pral envisager pour nous gagner matériel ça tout non dossier nous yo pour que les nous gain ca ça yo pour nous pas prendre tout temps ça yo pour pas pour compatriotes ça yo qui besoin en chaise roulante pour yo cap pour nous transporter yo pour yo pas faire trop temps camper parce que c'est des monde qui gain infimité avec yo groupe ça yo monde qui au Chili yo pas exactement même situation que monde par exemple qui te prend on nous dit Kante. Mais faut que nous renforcer ambassade d'Haïti au Chili, faut que nous renforcer ambassadio et en Amérique latine parce que précisément c'est nous pas qu'à charger d'affaires, faut gouvernement connait ça, faut président de la République là connait que c'est ambassadeur pour le mettre pour renforcer ambassade pour capable gagner moyen pour accueillir moun sa yo, régler affaire yo. Question visa permanent pour régler rapidement et pour nous parler en permanence avec Chilien yo pour yo bail visa. Alors nous non crise sociale et tout monde ça qui était allé à nous espérer que yo t'a pas le travail yo t'a voyer comme pour nous. Eh bien non, il y a retourné, ça veut dire que c'est un paquet de chômeurs qui retourné dans le chômage encore. Et... Et moi ça m'a beaucoup moins de chili. On a grand cousin pam qui on va sur téléphone qui dit peut venir pour nationalité finale. Pour on est autant temps. Là pas un bébé noir. Peut-être dit peut venir pour nationalité finale. Pour on c'est moi qui publie photo. On a eu de coup idée, quand de coup idée m'a pas tombé pas me tomber. C'est pour apporter ici. Ou tout dommagé. Tout dommagé. Mais après qui ça yo assisté ou yo bon aide Chili fait un mois dans l'hôpital je veux dire d'après ce qu'on sait moi je pense d'après ce qu'on sait moi ma famille pour payer vos avoirs moi ma grande famille qui vous fait un boire ça fait que bout à bout je viens de tout le monde vient d'arriver on a ou bien famille qui vient accueillir pendant venu là une famille qui vient d'aimer qui l'a joué 22 ans viens vivre dans le pays pas retourner encore. Can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you. I'm in my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh. Côté gain machine
qui était refusé à un contrôle douanier et tu as une altercation entre monde qui était dans zone là et chauffeur machine ça avec des douaniers qui te tient à ce que faut que tu soumettes machine ça à des contrôles de douane. Incident ça très malheureusement va déboucher sur une catastrophe côté pour un échange de tirs et que au terme d'échange de tirs ça yo pardon 6 monde pour perdre la vie et parmi 6 monde ça yo 4 douaniers 2 civils. Pas seulement gagner perte en vie humaine mais gagner perte aussi en termes de dégâts matériels et un véhicule douanier rivé incendié est en cours nous capable constater ensemble avec là yon parti dans commissariat Malpasse là rivé brûlé et pillé local douane nous constater ensemble avec là li constamment pillé et parmi douaniers qui mouri donc gagner des corps qui étaient complètement carbonisés. Donc c'est tout ça que nous sommes capables de dire, nous gagnons en termes de bilan par rapport à ensemble d'événements qui passaient dans la zone commissariat Malpasse et douane Malpasse et que la police rivait gagner en termes de bilan. Mais il faut me préciser rapidement, pour en mis la pression et pour la population arriver bien imbue des situations, c'est que son événement qui commençait dans la douane, qui rivait joindre la police côté lié à. Et que douane nous sommes capables de constater qu'il y a une distance par rapport à commissariat. Et une distance de 10 minutes à peu près. Et que l'événement a commencé, c'est là la police alertée, c'est tir. Et douanier avec des riverains qui étaient dans la zone qui alertaient la police, qui tendaient des bricatouches. Et que la police était en alerte et prend des dispositions d'abord pour informer pour le compte de quoi il en était et aussi prendre des dispositions pour limiter les dégâts. Et c'est comme ça douanier yo t'es réfugié yo dans commissariat Malpasse là et que la police te prend des dispositions pour protéger vie douanier yo et aussi pour te protéger vie riverain yo pour limiter les dégâts. Les situations ont commencé à dépasser parce que les policiers rentrés à parler avec les riverains yo pour yo ramener yo au calme. Mais plus yo t'a parlé avec riverain yo, avec moun yo, avec population, c'est plus population t'est en colère parce que t'es gain deux moun qui t'est déjà tombé et sous cartouche et moun yo c'est moun zone nan yo ye, et moun yo c'est moun qui avoisine zone fond parisien. Plus la police t'a ramené population au calme, c'est plus t'es gain des moun qui t'a relé moun nan zone yo pour commencer bloquer zone yo pour empêcher que backup que la police t'a demandé rivé à temps. Comme nous capable constater tout zone là sont zone qui gagne monde sous tête li et en pile monde te commencé à monter monde dans tout pour calonner commissariat en bas côte roche pour limiter marge de manœuvre que la police était capable gagner. Mais malgré tout et te gagne ensemble d'unités et de police tant que backup CBQ te prend disposition pour te river te gagne Boyd et te gagne Simo et te gagne Polyfront et qui te prend des dispositions pour protéger vie population et pour aussi pour protéger vie douanier yo. Mais nous capables nous-mêmes journalistes qui rivé là nous ouais et comment situation entier dans route que nous passer pour nous river là nous ouais c'est des routes qui étaient constamment embouteillées qui étaient constamment bloquées côté où tu mettais roche côté où tu gagne des pneus qui étaient enflammés. Donc situation est extrêmement difficile, la police t'a fait effort pour te river mais nous ouais qui situation qu'il t'a affronté pour être capable d'avoir accès à côté événement t'a déroulé. Mais malgré tout la police quand même t'est rivé et l'est arrivé malheureusement dans 5 douaniers qui étaient réfugiés dans le commissariat, il y a 4 qui étaient morts mais backup qui t'est rivé, il t'est quand même sauvé la vie. Il y a un douanier et qui t'est permettre qui évacuer à travers des patrouilles de la mine juste d'abord pour t'aller prendre soin que cal nécessité, ensuite pour être capable rejoindre famille. D'abord après tout bagage ça a été fini arrivé. Donc faut que la police lui même bon côté parle, il t'ai porté une réponse. Et ben comme réponse, la police dans toute zone là, dans toute aire métropolitaine là, à travers des patrouilles de renfort que y a voyé pour renforcer zone là pour capable garantir sécurité riverain moun k'ap fréquenter zone là, étranger k'ap sorti dans république voisine là à des fins de visite, à des fins de commerce pour capable faire en toute sécurité et moun k'ap sorti pour occuper des activités commerciales puisque nous connaissons zone là son zone commerciale et
toute aire métropolitaine là a venu en renfort à police front qui déjà dans zone là qui fait un travail et de sécurité et de frontière et police locale zone malpasse là que toute police dans aire métropolitaine là a bien pour rejoindre en renfort pour capable et garantir et sécurité et monde qui fréquente zone là. Et ensuite le commandement la police là prend des dispositions tout de suite pour permettre que policiers qui affectés dans commissariat Malpasse là d'abord et pour réparer partie qui incendiée et ensuite renforcer capacité humaine et capacité matérielle et zone là parce que de temps en temps toujours il y a des gens de panique comme ça dans zone là maintenant pour prévenir un genre de panique ça yo deux et si vous arrivé comment vous capable adresser à question là. Et toute disposition de renforcement ça yo apprend et commissariat Jamdou la pral rapidement réparer et que pour nous capable et répondre à éventuellement en cas d'échec de prévention ta gagne un bagage comme ça pour nous capable une meilleure façon pour nous adresser question. Donc voilà, c'est ensemble de ça nous te souhaité et de concert avec la police front qui constamment là qui fait travail et de sécurisation de zone là et qui répond au nom de commissaire divisionnaire Mac Justin, que la presse certainement habituée avec lui, et responsable et commissariat Malpasse là, commissaire principal Benjamin Yvose. Donc, ils ont continué et rester en alerte pour qu'ils population en sécurité et vie avec bien qui en circulation pour être capable et faire dans les meilleures conditions de sécurité que possible. C'est pour faire face à ce genre de problèmes, c'est pour bien adresser ces problèmes qui fait gagner une nouvelle unité dans la police nationale là. Qui est la police frontalière, qui a une dénomination polyfront que moi-même m'a dirigé. Nous déjà déployé plus de 120 agents au niveau nord-est, zone Wanamint, et le directeur général de la police là renforcé vite. Jodi a sorti 8 janvier 2017, pour jodi a nous avons passé à 370. C'est l'idée pour nous arriver à un contrôle frontière là. Fait une présence qui est imposante dans la zone ça, particulièrement Belade, Malpasse et Wanamint en Sapit. Nous déjà sous 3 points ça, nous sous Malpasse, nous sous Wanamint, nous sous en Sapit. Et nous avons une unité spécialisée qui c'est Simo qui est actuellement Belade. Pour nous dire clair, instruction au bail et nous aller d'arrache-pied pour nous arriver à imposer pas seulement avec moyens qui nous gagnent, mais avec une quantité de monde. Pour l'instant, nous gagnons dans l'académie 150 polyfonds qui ont formé et qui pourraient venir en renfort à la structure qui déjà existait. En façon, pour nous capables de lier technologie avec le monde, pour nous avoir une meilleure réponse à problèmes qui sont liés à la criminalité organisée transnationale. Vous parlez de coopération ou collaboration douane police. Oui, la police là, nous recevons l'instruction du directeur général là pour travailler main dans la main avec la douane. Et le problème qui gagne, c'est modus operandi. Comment on a opéré? Actuellement, il y a avec la douane, avec l'immigration, la polyfront qui appuyé par OIM. Nous travaillons sur un modus operandi. Comment nous avons intervenu? Est-ce que quel langage nous avons gagné? Et pour réaction, nous sommes capables même de gagner pour nous faire face à ce problème. Pour l'instant, au niveau des Malpasse, nous avons gagné des policiers qui étaient affectés avec le local, là, mais qui n'ont pas travaillé avec l'agent brigadier. Et nous avons toujours été croyants que et professionnaliste la police capable de permettre nous faire prévention de genre de situation ça yo, surtout les nap travail mais dans la main nos étroites collaboration la police avec la douane. On a été déjà à fond notre sortie et notre salle il bail position tout sénat clair qui dit que nous opter pour une idée de dialogue et gouvernement lui-même il a une responsabilité pour que lui-même lui pacifie le pays. C'est responsabilité du gouvernement. Nous-mêmes, on branche, nous, dans l'État, comme pouvoir législatif,
et pouvoir exécutif a une responsabilité pâle, pouvoir judiciaire a une responsabilité pâle, mais c'est responsabilité pouvoir exécutif là pour entamer un processus de dialogue. Fond dit tout, à chaque fois le gouvernement voulait faire remaniement ou un paquet parlementaire c'est eux qui gagne des postes. Ça souhaite que et sénateur ça, député ça, yo commencer remettre direction générale que yo gagne un poste ministériel que yo gagne dans main yo commencer remettre yo mais ça dialogue là a fait laisse avoir yo bon l'idée vraiment pour dialogue là fait à chaque fois et y a fait remaniement cabinet ministériel yo dit gagne changement qu'a fait le fait que c'est dans pas devant le parlement pour premier ministre en venir pour gouvernement en venir et chaque parlementaire yo voulait un poste ministériel même te dit ça me dit que parlementaire faut qu'il était au niveau du parlement pour le travail si toutefois chaque fois gouvernement a fait remaniement chaque nèg man un poste ministériel en direction générale 117 députés 29 sénateurs si chaque nèg a mandon poste côté gouvernement pas gain pour battre tout le monde. Laisse les partis politiques, quitte les partis politiques comme acteurs politiques, nous-mêmes, nous en dans partis politiques, tout ça pour problème au niveau parti politique que nous là-dedans, nous sommes capables de discuter avec partis politiques par nous. Mais c'est parlementaire, c'est sénateur, c'est député qui gagne poste ministériel, et ça, situation, ça toujours produit frustration, pas gagne et gouvernement, pas délivré, et puis toujours situation, ça produit, et si nous confondons tête nous avec gouvernement, depuis gouvernement aller, n'a pas aller tout, parce que nous confondons tête nous ensemble avec exécutif là, nous pas faire une démarcation entre exécutif et le parlement. Avec un pile, attention, nous tap suivre, crise qui a traversé pays d'Haïti, qui c'est pays. En tant que député, en tant que citoyen. Et l'étape était censé indifférent pour que je ne pas ta position sur ce qui a passé en Haïti. Et je me dis, peuple haïtien, gardez calme. Je dis, opposition, je dis, pouvoir, nous c'est frère accès. Et inévitablement pour que pouvoir lui fonctionner sans pas d'opposition. Et opposition à tout, il faut le respecter avec le on a dit que, quelle que soit la forme, l'opposition est des pouvoirs, travail, et les des pouvoirs, travail bien. Si pas d'opposition, on a dit pouvoir la faire difficile pour travailler bien. Et dans le même temps, on a dit opposition, NBC, m'a dit moun qui gagne zam yo en dépose zam. Je dis à c'est pas zam qui a fait pays à soutenir ma fille. Et nous toujours prenons zam, pays a été même genre. Je dis à tout le monde coupable. Si tout le monde coupable, tout le monde faut reconnaître, chaque monde faut faire meilleur culpa. M'a dit président, de pour le temps de la raison, et même genre commencé à faire. Il a baissé les bras, il a ouvert les mains, il a demandé dialogue. Et il a baissé le premier ministre pour voir pour qu'il fasse dialogue. Je m'a dit opposition à tout. Je m'a dit qu'il faut le temps de tout. Pour que plus devant pas plus triste, plus devant pas plus grave. Parce que nous avons des voisins nous là qui attendent pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de faire ça nous faire. Et nous connaissons nous occupés. Voisins, et nous avons fait ça. Et moi-même qui fais partie du Parlement, qui suis député du peuple et qui est sous PHTK, nous dit nous besoin non seulement ni PHTK, ni Lavalas, ni OPL, nous besoin tout le monde de ce pays dans ce là. Dans une crise politique, il y a des gens qui ont des responsabilités pour permettre de résoudre la crise là. Si nous apprenons ce qui a passé dans le pays d'Haïti actuellement, le président Jovenel Moïse, il y a une lourde responsabilité pour que il pose des actions concrètes pour que la crise lui résoudre. Dans un pays, côté où il y a des gens qui ont manifesté, côté où il y a un problème de grand goût, il y a un problème d'éducation, le chômage a augmenté, le dollar a augmenté au jour le jour, les produits premières nécessités ont monté au jour le jour, eh bien, gain nécessité pour que le président lui-même lui pose des actions concrètes pour permettre que la crise lui-même lui résoudre. Je dis à nous constater qu'il y a des gens qui ont des désaccords. En tant que désaccord, il faut gagner des accords.
Si gagnent des monde qui pas d'accord, nous estimer faut que nous chita. Et bien jodi nous dit l'est arrivé pour que dialogue là. Il a parlé à nous même nous opter pour que c'est une conférence nationale. Mais en dedans conférence nationale là, acteurs yo ka chita sous table, moun ka débat point yo, c'est pas des moun yo pral reler dans téléphone. C'est pas des moun yo pral reler sous baïti zami. Donc c'est ensemble des secteurs qui concernent yo pour yo identifier des moun nan mitan yo pour permettre moun ki a gen possibilité pour chita nan conférence nationale là tout moun clair yo connaît qui est moun ka participer nan conférence nationale là et là ça pral gen possibilité pour que population tester bonne foi moun soit kap manifester soit kap mande pour que situation population li améliorer. Donc si toutefois gen un problème, nous même nous opter pour que c'est une conférence nationale, il faut que le président pose des actions concrètes pour voir un signal pour permettre lui inspirer l'autre pour nous confiance. Nous même un ensemble d'organisations et plus d'une quinzaine et porte là ouvert pour l'autre organisation, nous décider dès aujourd'hui former une cellule de vigilance contre la corruption. Une cellule de vigilance contre la corruption, quel que soit fait corruption qui a passé dans l'administration publique, yo moun ka consulter nous même n'a fait tout ça dépend de nous pour nous enquêter pour nous garder véracité faire signaler ya, et puis signaler à juridiction ou bien non juridiction qui implique yo dans histoire corruption en Haïti. Nous plus d'une quinzaine sous table là nous ka constater trois nous ka ban nous quelques noms d'organisation que nous en concertation et nous commencer planifier pour nous cap mettre cellules à effectif dès semaine prochaine pour nous commencer travail contre la corruption. C'est nous gagne au CNH, nous gagne Action universelle des droits et liberté, nous gagne UF Morage qui représenté par madame Joannette Désir qui bon côté nous là, nous gagne CONAF qui sont coalition qui dans cap défendre droit monde. Nous avons Ajara. Ajara, c'est une organisation dans l'Artibonite. Ça veut dire nous que nous faisons ouverture sur toute République là parce que fait de corruption, li engagé et la gangrené toute institution partout sur le territoire là. Nous avons une organisation universitaire, OUDH. Nous avons et Courage et nous avons Redaxan qui sont organisations des centres qui travaillent dans le niveau droits humains. Et toute organisation ça et ensemble d'autres. Nous mettons tête nous ensemble pour nous croire la corruption, pour nous joindre le développement que nous avons besoin en Haïti et pour nous assister à respect et garantie droits humains en Haïti. Je vais un message à tout le monde dans le pays. Que ce soit président, que ce soit le premier ministre, que ce soit la police, que ce soit le leader politique. Que ce soit ces monde qui n'a classe populaire là, que ce soit monde qui n'a ghetto yo, m'a dit nous tout à la ronde bade, c'est pour nous apprendre le pays nous tout bon, c'est pour nous apprendre le pays nous tout bon. Les n'a agi mal, l'autre pays a gardé nous comme vieux chien, yo pas man nous valait. Yo pas garder nous comme moun. Et c'est une honte pour nous qui dit nous à l'école. Parfois nous dit nous qu'on voyager dans l'autre pays. Petite nous à l'école dans l'autre pays. Pendant ce temps, n'a pas agi mal. N'a pas agi très mal. Pendant une l'autre a mouri grand goût, nous-mêmes n'a semblé richesse en Haïti ou à l'étranger. Non sans ça, n'a dit tout le monde, yon sel douette, pas manger kalalou. Yon manger pas ka fête sous deux wajs di fe. Pas gen yon haïtien dans le pays qui gen plus droit passer l'autre. Non sans ça, frem, sem, zamim, c'est pour président Jovenel Moïse, chita parle, planifié à tout secteur. Dans la vie nationale là, c'est pour chita avec toute tête de pont qui gagne en dedans pays là. Comme ça, n'embrasser l'idée avec l'idée, n'embrasser l'esprit avec l'esprit. Comme ça,
nous va joindre une solution pour le pays. Nous-mêmes, en tant qu'Église qui croit dans l'unité de la diversité, donc nous croyons que, quelle que soit la circonstance, nous-mêmes, nous encourageons les Haïtiens pour chiter ensemble pour dialoguer. Parce que, quelle que soit la revendication que vous faites, moi, je pense que l'offre dans chita attendez, tout le monde a baillé point de vue, et bien, je pense que laissez-la ou capable de sortir à une solution qui est mieux que laisse une solution qui soit cherchée et comme nous rejoignons aujourd'hui dans la violence. Alors, je pense que nous-mêmes dans l'Église, l'Église épiscopale anglicane d'Haïti, eh bien, nous-mêmes nous encourager et dialogue pour nous parler, chita parler ensemble. Moi, je pense que ça pour nous comprendre, c'est que quand ils vont vivre dans la société, quand ils et dans une série de monde, bon, même bonjour peut-être ou pas t'abdil si c'était, si t'es tenu compte de situation personnelle. Mais laisse le pays à quoi défendre, laisse toute société à quoi défendre. Là, nous voyons que le pays a même lié en danger, eh bien, on est obligé, malgré nous-mêmes, accepter de parler. Donc, nous croyons que nous-mêmes, nous croyons dans ça, nous croyons dans le dialogue, nous croyons dans la conversation. Ça va dépendre du contenu de la conversation. Mais quand même, dans tête à tête, dans chita attendez, on croit que c'est là qu'on est capable de prendre une solution pour le pays d'Haïti. Dans la vie de notre société, côté que pas de confiance. Bon, là, pas de confiance encore, et puis bah, elle a arrêté comme ça, il joint la misère, situation de privation de toutes sortes que le peuple a vivre. Eh bien, ça vient faire que qu'on y a là, nous vivons dans une situation explosive. Et violence, elle est très inquiétante. Ben nous vivons dans la phase à côté de nous vivons là. Et étant donné que il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est-à-dire que ça qui mène nous là, si nous refusons nous gagner pour nous chita, nous n'acclot pour nous parler. Quand il est même là, nous chita, nous n'acclot pour nous parler. Nous parler, pour nous ne va dire rien. Alors c'est tout le bagage ça qui compte. Donc sincérité pour nous. Oui, justement. Donc, oui, sincérité, justement. Nous ne sommes pas sincères parce que nous ne faisons pas l'autre confiance. Et bien moi je pense que dans Chita dans Dia, ça t'a permis que nous rétablissons confiance l'un dans l'autre. Nous parler. Nous chercher vider contentieux. Dis-moi adversaire exactement qui sont gagnés contre lui. Alors moi je pense que là nous avons cherché à brasser l'idée, voyez, et puis pour nous capables d'arriver à un consensus. Moi je pense que c'est dans ça que nous sommes là, c'est dans la situation ça que nous sommes là, c'est ça qui fait que la situation a nécessité, si tu attendais ça. Nous ne pas capables de pas faire. Et là nous faisons là, je pense que nous n'avons pas agi en grand monde. Parce que nous n'avons pas besoin de temps, c'est l'autre monde, l'autre côté qui vous dit qu'il y a une météo, nous chita, nous vivons ça déjà dans le pays, dans des situations similaires. Côté que nous refusons chita et puis nous regardons, nous c'est l'autre monde, l'autre côté qui vient mettre nous chita pour nous parler. Nous n'avons pas besoin de ça. Moi, je pense que entre nous-mêmes, il faut que nous chita, en grand monde, nous parler, nous dit qui ça fait nous mal. Et puis, pour nous chercher solution à problème. Situation soulèvement populaire n'a vivre une aujourd'hui, c'est résultat et conséquence l'État qui pas arrivé pour tes réponses à problème population dans le domaine justice, santé, éducation, économique et jeunesse pays. Agissement, toute une élite économique pèse sous ce qui est seulement intérêt personnel yo,
et qui oublie responsabilité sociale. Ces conséquences sont élite intellectuelle, politique, qui pas arrivé porter alternative pour une autre société qui chita sous justice sociale et puis considérer revendication toute couche sociale dans le pays. La Commission épiscopale justice avec la peine à Port-au-Prince dénoncer et puis condamner toutes actes de violence, quel que soit côté li sorti ya. Li kwè la vie c'est un cadeau bon Dieu. Yon droit sacré côté personne pa gen doit retirer le pour quel que soit raison pendant la voyer toute sympathie ak solidarité ba toute famille ak zami moun ki victime yo et puis encourager tout acteur en crise ça joignons entente au pays à continuer fonctionner dans sécurité ak la paix. Commission a demandé l'État, système justice là, prend toute mesure dans le cadre de la loi pour traîner tout si la yo qui coupable dans acte criminel sous population devant tribunal. Prend toute mesure qui nécessaire pour satisfaire revendication population sous affaire gaspillage l'argent Petro-Caribé. Comme ça, on arrive à tracer exemple pour tout si la yo qui travaille dans l'État. À tout si la yo kap gen pour rentrer dans fonction publique là et puis rebay population en confiance dans système justice là. Commission a invité toute force vive nation, tout acteur dans société civile là, élite économique là, élite intellectuelle là, politicien yo pour yo prendre chemin dialogue, yon dialogue qui sincère sans coquin, sans hypocrisie et qui capable de demander quelques gros sacrifices pour l'intérêt de la nation. Et n'a profité de remercier les gens qui ont fait pour manger ça. Et l'autre monde, Solino, Kokio, Nazo, qui ont fait distribution déjà. Alors nous faisons un gros coup de chapeau pour Faes qui a fait distribution ensemble avec la présidence. Et toute notre bagarre qui mérite et Ravine Pétale, communauté pour capable de voir au niveau assainissement pour voir pour la population qui dans les besoins. Nous avons 500 kits là qui la population dit qu'il est insuffisant pour eux. 500 kits nous avons. Moi, pour faire liaison ensemble avec les leaders communautaires qui sont dans la zone pour nous capables d'entrer dans tout petit coin en dedans et circonscription pour nous manger. Il y a un côté pour manger pour capable pour tout le monde qui a joué. Ils ont demandé pour stocker manger et pour les plus vulnérables qui ont joué. Normalement, nous avons demandé Faes, elle va nous manger, elle va nous manger, nous avons stocké pour nous capables de bailler quantité de monde nous pour nous bailler. C'est Faes qui va nous et qui ça. Oui, c'est Faes qui baille au niveau de la présidence. Et m'a profité remercier le président Jovenel Moïse qui pensait avec Azek délégué de ville pour faire distribution ensemble avec nous. Et moi t'as souhaité c'est toute notre bagaille à faire pour faire passer par nous-mêmes qui pour vivre jeune population. Dans le sens que nous voulons atterrissage gouvernement en fait bien. Après aujourd'hui là nous remercier le président Jovenel avec Faes pour activer ça. Mais prochaine occasion nous demander président avec Faes augmenter non ça y a beau. Parce que les minimes, là on voit 500 kits pour une communauté qui charge le Fonds national qui vient, il y a tant d'autres zones alentour, Ravine Bétane qui vient et tout. Là, il vient paraître littéralement maigre. Nous conseillons FAS pour travailler plus avec délégués de ville, Kazek, Azek. Les conseils n'ont pas plus de résultats. Travis Fan.